Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour un module de formation intitulé « Développer les compétences utiles à l'entreprise ». Alors nous allons voir ensemble ce qu'est une compétence, comment savoir celles qui sont utiles à l'entreprise et comment réussir à acquérir ces compétences par la formation. J'accueille pour ce module Monsieur Alain Aventé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes expert en management. Vous nous avez parlé dans d'autres formations de l'entretien professionnel et nous avez dit qu'effectivement ça permettait de savoir quelles étaient les compétences et les formations qui seraient utiles à un employé, à un salarié. Par contre, avant qu'on rentre dans le détail du sujet, je voudrais que vous me reveniez sur ce qu'on appelle la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Je vous laisse nous expliquer. Alors, ça permet à l'entreprise de prévoir les évolutions socio-économiques, technologiques, organisationnelles et d'adapter les compétences des salariés pour faire face à ces évolutions. Donc, c'est d'abord un outil. Un outil obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés et plus, donc qui doivent engager des négociations avec les partenaires sociaux. C'est pour toutes les entreprises un outil de gestion et de mise en perspective qui a pour objectif d'accroître la performance globale, de fidéliser les talents par une meilleure anticipation de leur évolution et d'impliquer et responsabiliser les managers et les salariés dans la gestion de leurs compétences et de leur employabilité.